pas vivre ensemble, non. Contrairement à ça, nèg yo t'a dit, oh, n'a c'est pour combattre pouvoir, n'a combattre oligarque. On pas même nous dit sur écran n'a regardé là. Est-ce que nous estimer qualité ti machine ça on a mis du feu dans garage ça? Est-ce qu'on remarque là t'a même semblé gon image en machine oligarque? C'est un pays difficile. Waki Lambert, attendez bien. Attendez bien. Ça veut dire que on t'a même parce que on songe sous Jovenel Moïse à l'époque sous Michel Martelly, que Jean-Henri Seyan, t'es notaire, t'es responsable de ça, et que t'es décidé pour dépatcher en bas la ville, crasant paquet de caille. Jusqu'à présent, personne n'a jamais eu une bonne explication sur le dossier ça. Donc, est-ce que Kounia, c'est la continuité? Par contre, parce que, en plus, on te dit que, ils visent écraser en bas la ville net, pour être capable, peut-être, reconstruire ou bien venir à l'autre bagaille. Est-ce que c'est même l'idée à continuer? Est-ce que c'est même l'idée qui PHTK? Bon, quand même, c'est la même famille. Parce que dit vivre ensemble, dit PHTK, c'est la même famille. Vous comprenez? Ça veut dire que, est-ce que c'est la continuité du PHTK qui t'est commencé à écraser en bas la ville, qui a continué là sous avec vivre ensemble? Non, même l'idée, nous ne connaissons pas. Cependant, la société, j'en ai regardé sous l'écran, c'est dans le centre-ville de Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, nèg Axam décidé pour écraser dans le niveau ça. Est-ce que c'est là prématuré, nous ne connaissons? Est-ce que c'est là qui parle national? Nous ne connaissons pas. Sauf que, ça m'a regardé sur l'écran, mon nom là, moi-même. Je ne remarque pas même un carcasse machine qui t'apparaît, une machine gros figui. Regardez-vous sur l'écran. Sur l'équipe vieille camionnette, ce qui est en panne, qui a rangé dans le garage. Qui va dire, pas me caper. Il y a qui dans le garage là, qui finit ranger, oui. Mais mettez-vous pas au cas prendre parce que le panne est pour le payer. Bon, là, nous boulons toutes les camionnettes ça, qui n'ont garage. Et puis, nous dit que nous fait révolution. Bon, pas un problème, non? Puisque papa, nous, Jean-Charles Moïse, te dit, nous mettons, fais des autres. Eh bien, fais des autres. Comprends? Il dit ça. Nous dénonçons, lui rébissons, au contraire, lui même faouché nous. Parce que lui s'écrase le pays à net, n'a refait. Bon, bah, on est. Est-ce que Jean-Charles prend une possibilité pour le gagner, reine pays à normal pour le refaire pays? Parce que le matin, mon nio dit crasé, il a refait. Qui t'a le goulé, tonton? Et donc, action ça, yo dépassé action terroriste. Et dans tout pays, quand il y a un monde qui a dirigé, théoriste, désolé, il y a un genre qui combat théoriste. Et ça, on a fait là, on a débarqué sous fond national, parce que on a lancé un SOS déjà sous ça. Objectif vivre ensemble, c'est prendre base Boyd, zone fond national. C'est prendre base BIM, qui est dans Claircine. Et pendant que je parle là, dans pile panique, moun kap lance SOS parce que zone yon pa fin ok. Donc c'est tout Port-au-Prince qui pas bon. Nan yo, gen intention, ou bien yo vle, yo souhaite, qui pas facile pour yo. Pour yo pren contrôle base BIM parce que yo pren contrôle Kadebouke déjà. Facilement. Nan yo besoin pren contrôle base SWAT, qui pas facile. Nan yo besoin pren contrôle commissariat de Port-au-Prince. Yo besoin pren contrôle base UDMO. Yo besoin pren contrôle base SIMO. Et pendant qu'on a parlé là, il y a trois agents, six mots, qui manquaient perdu la vie. Et malheureusement, il y a un qui tombait, il y a deux qui blessés par balle. C'est un pays difficile. Qui t'aime saluer Mathilde Joseph qui a fêté ainsi que sa maman, Marie-Laude Joseph, qui pensait à clé. Marie-Laude qui pensait à clé. Mathilda Joseph qui a fêté. C'est maman Marie-Laude Joseph qui pensait à clé de la part de Miss Darlene Jean. Écoutez. Est-ce qu'on connaît que, détective Lubin, commandant Dune, écoutez, si Negio s'est attaqué tout commissariat côté policier là-dedans, et m'te dit policier au savant hier, peut-être qu'il va prendre conseil moi. Et c'est ça que t'as bon pour yo. Eh bien, écoutez, m'gal ba nos nouvelles qui est peut-être triste quand même, quelque part. Est-ce qu'on connaît Negio assassiné un policier, je veux dire? Matin, Negio lagué un policier agent Simon Atey, un combattant! Nous mettons dans la zone douillard. Il y a deux autres policiers qui sont blessés dans l'échange coup de balle avec malfrayon. Et agent Simoyo, là, il y a des informations, il y a une patrouille qui arrive en temps réel qui permet de repousser vagabond yo et récupérer blessé yo et prendre contrôle cadavre là. Qui fait pas de temps mettre du feu sous les etc. parce que c'est ça qu'il fait. Policier ça qui mourit, hein? Monsieur le Duplan, Joveni, agent 2, monsieur sorti dans 27e promotion police là, monsieur affecté dans 6 mots. Monsieur perdu la ville.
Et ça qui paraît plus drôle là, c'est parce que moi parlé avec un collègue monsieur. Monsieur t'a quitté zone li pour aller abriter dans base là parce que bah yon ti crasse mélangé. Et m'te dit négio face à Jean yon vin représente un cible pour bandi yo, li pi bon pour policier regroupé dans base au lieu que nèg la di yo m'pral travail et m'ap rentre la cave pour me tourner. Non, m'te dit que monsieur l'aime dans combat fort intelligent. M'te dit rete dans base nous. Nous connaissons les gens qui font tirer vie. Nous avons droit loin, madame, mais monsieur Fanboui, parce que le pays, nous ne pouvons pas vivre là. C'est nous pour gérer la tête. Nous de pour mourir, mourir ou détruire. Ou vous mettez une belle femme, de pour tomber là, deux jours là, le remplacer. D'ailleurs, vivant, on prend un couvoir, si vous parlez là. Ça veut dire que c'est tête pour gérer d'abord. Les pibes pour nous rester dans la base, nous, monsieur, au lieu d'appeler des flanets, monter, descendre là. Nous avons dit, même au cas de ma police, là, tu as dû réfléchir sur le bazar. Des contrôles policiers dans la base, permettre que vous ka manger, boire tranquille. Parce que nous pas d'accord pour nèg bouler tout commissariat, toute base côté de policier, il n'est pas d'accord avec ça. Eh bien, ça qui est plus grave là, c'est parce que, selon ça, collègue, monsieur a rapporté, policier ça, monsieur tombé, attendez oui, alors que monsieur gagne tout, monsieur était bon dans Biden, monsieur gagne tout BIL dans Mel pour être parti. Le fait que, monsieur a eu un premier vol, le fait que pas un vol là, dans l'aéroport là, tout ça, l'ouverture, c'est cap haïtien. Il y a les amis qui t'a recevoir monsieur bien parenté famille. Yo fait ticket monsieur était parti quoi 10 avril qu'a venir là. Bien monsieur acheté pour j'ai quitter pays. Et malheureusement monsieur tombé en babal jodi a dans zone brouillard. Pas de problème. Bon, c'est grave. Des îles de Gilles, on suspect, vrai métier, ouais, oui. N'ayons là, après, quoi, là, si on parle là. Ça veut dire que, gens policiers ont la vie ciblée, hein, c'est le projet de tête, nos yeux. Il n'est pas normal. Donc, ça, là, regardez, là, me dit, non, c'est, n'est-ce vivent ensemble, y'a qu'à frapper. Et n'est-ce qu'à attaquer Fort National. N'est-ce qu'à attaquer Bas Boyd, là. Mais, monsieur, bah, y'a un bas, n'est-ce qu'à faire un bar, en plus, là. Vous n'avez pas fait tout de blousaille ça, monsieur. Non, babdou là. N'avez pas pillé Kaimoun, cassé Kaimoun, volé à Kaimoun, mettez du feu. Et puis, monsieur, rien n'est pas fait. Samedi, à mon n'avez pas boulé, vous touillez deux mouns, nous n'avez même pas cité de policiers. D'ailleurs, il y a un bruit qui dit, t'as un policier là, je ne connais pas parce que je parle de la police, il y a un sous ça. Mais les policiers, la police ne connaît pas, non. Parce que samedi, n'avez pas l'air, n'avez pas vivant sans yo, n'avez pas touillé deux mouns, vous mettez du feu sur yo. Et selon ça qu'a dit à terre, t'assemble yon la de yon, c'est un policier. Bon, nous pas connaît, parce que nèg yo sa yo, ça va faire pas quitter trace encore. C'est vide moun a terre, mette du feu sur yon. Pas de problème. Ça veut dire que le nap gade, et ça doit l'an. Nèg yo tellement comme si mette yon en niveau là, qui pa paraît petit. Nèg yo a opéré, yo tout en uniforme yo sous yon en noir. Nèg yo gen radio communication yo a parlé. Nèg kap di yo, avance, replie, avance, comme si c'est la police qui a mené l'opération. Ça y fait me comprendre. Dans pile gang ça a fonctionné tout gen policiers là dans auto depuis longtemps et pas après bagarre de blouse et prison crasé hein nèg yo vinn renforcer en termes d'effectifs et yo vinn renforcer tout en termes de nèg qui gen spécialité dans main zam qui gen formation et l'on regarde l'armée ISO campé en bas ou ouais que monsieur gen nèg avec gen formation académique qui gen formation militaire qui avec nous t'a demandé un problème c'est qu'on y a un problème c'est qu'on y a un problème. Georges Mathieu, des anciens policiers. Des anciens nouveaux, tout mon cher. Eh bien, mélanger, mon cher. Madou, Anel Joseph, t'es dans la village, chaque coup, il a arrêté. Et puis, parole la parler. Pourtant, c'est un inspecteur police qui a mis sur formation. C'est bon inspecteur police qui a mis sur formation. C'est pas qui a passé à Haïti, là, non, la société. Bon, moi-même, dis non, c'est que, prenez précaution, parce que, bah, il y a plus que compliqué. Parce que nèg yo débarqué, yo pillé, yo boulé, etc. Kay moun sou fò national, c'est pas ti bagay nèg yo fè té la. Nèg yo fait toute tentative pour yo prendre Bas Boyd là. Donc il pas facile pour yo te prendre lui mais bah yo pa piti. On souhaite que nèg yo prenne responsabilité. Cependant, même un petit tap assemblé pour la police là, il pas facile même chèque yo. Nous songe si n'a pas parler bah ça. Yo dit que toute banque kounya yo habilité pour changer chèque policier yo. Bon, moi, si d'abord à fond tweet, je dis à même. Et t'as le fait, moi, dit, nous apprenons personnel administratif PNH là, il y a difficulté pour changer chèque yo. Plusieurs n'ont qui parlent avec nous déclarer, banque là, dit yo, pas policier. Donc, si d'abord à dénoncer discrimination ça, et souhaiter
gouvernement résoudre problème ça pressé parce que groupe monde ça yo fait partie PNH là oh ça te passer là et bien banque là elle prend pour mauvais jeu quand il pas gros connaître personnel administratif police là gain chargé monde dans police là qui travaille qui pas obligé policier qui a porté armes son pays difficile et bien, pas un problème non mais faut me dire une bagarre anti crasse compliqué. OK, on quitte ça, on aller dans l'autre dossier qui est pour la question politique. La société, attendez. Oui, Pierre Michel, il a appelé l'inspecteur, et Chris là, un chat. Ça y est, papa Mick Mick, qui te balle. OK. Ou pas qu'elle me dit là, Dominique, ou pas innocent dans ma lune. Gros ami qui dit m'tete, m'a suggéré qu'on mette accent sous baï ça. Hein? Parce que, pour quantité journée qui fait pété coup de balle, comment vous fait jouer katouche ça yo, avec facilité? Pour baï ça qu'on besoin qu'on ait, nèg sa ou te toujours gon quantité cartouche yo serré nan bon kit la kayo pou lè agoumen. Mais l'autre bagay, c'est que monsieur dit tete, nous t'a souhaité qu'on parle sur ça, mais nous faisons émission sur ça déjà. Nous ne doit pas gagner temps pour me faire un temps, non extrait là dans l'après-midi. Et peut-être demain, ma vie n'avait pour montrer nos implications directes dominicains dans ça n'a vivre là, jodi en Haïti. M'a demandé citoyen yo, tendez bien, conseil de zone. Zone frontalière, zone frontière. Yo. C'est pas soi, yo. Bon, on prend le cas de douane et Belader là même. Ça, son pas soi net. Li ouvert des bras, on prend ou le monter. Ça fait ça, ouvre là-dedans. OK. Bon paquet de côté, rentrer, sorti, Haïti à Kay voisin, qui sans contrôle. Pays à libre, barrière yo libre. Comme si moun rentre, moun sorti, on fait ça, ouvre. Pendant Haïtien, pas une autorisation pour rentrer Kay voisin, alors que bagay ka sot Kay voisin vient à Haïti sans problème. Parce que nous n'avons pas de monde en Haïti. Tendez bien Stanley de Saline. Pendant que nous-mêmes, actuellement, avons discrimination enragée, Louis Abinadel, on campagne même pour humilier davantage. Même si vous avez une résidence américaine, même si vous avez une résidence française, depuis ce passeport haïtien ou gagné, ou pas autorisé pour piller le territoire dominicain. Vous avez un haïtien, monsieur, gagné résidence la France. Monsieur était à Haïti pendant l'événement là. Monsieur t'ai dit ça que mon gars a pris parce que t'es menton. Ah mais c'est bon vérité. Monsieur gagne résidence française. Le fait que c'est passeport haïtien le gagne, monsieur t'a prend avion. Monsieur t'a prend cité République dominicaine pour aller en Europe. Là monsieur arrivé au bloquel. Il dit que il pas ta rentrer sous territoire yo avec passeport haïtien. Ça vient faire me comprendre tout. Donc en pile hélicoptère moi qui marche monter descendre pour mon Haïti yo, ça semblait son pays de pile étranger là-dedans papa. Tendez bien, Edward Spencer. T'as fait les grands piles étrangers qui vivent dans le pays, Yann Baronne, ou pas? Parce que si on dit passeport haïtien par rentrer avec les voisins, et puis le monde sont moins qui apprend l'hélicoptère qui a traversé l'autre bois. Étranger, oui? Étranger, oui? Et ça te fait, ouais, ou pas, qui a pour payer à tout, non, papa? Étranger, oui? Eh bien, attendez, non. Dominicani a humilié davantage. Comme on a une résidence États-Unis, lui qui a juste pris une machine, il conduit là le Canada, Canada, alors que tu as une résidence, li pa ka pile kay voisin avèl parce que il gen passeport haïtien. Son bay grave ka passé là. Pa gen problème. Ça veut dire nous pa ka rentrer la kayo alors que nous même yo ka vini la kayo nous j'ai ouvlé. Et ça qui pi droit là nous nan kari comme s'il vous plaît. Même là kay voisin yo interdit de rentrer. Alors faut me dire que mesure ça vini pas seulement pour question cause politique mais c'est depuis le question environ 5000 prisonniers qui dans la rue. Hein? Donc Dominicain pas vle prendre gros latme. Et ça te fait yo te mette pas seulement Dominicain, pas seulement Dominicain non. Il y a plusieurs autres pays là qui pas d'accord haïtien rentrer sur territoire. Yo. Et parti quoi n'a porté là, c'est gros quoi sous donne là oui. Polo Joseph, nous divisé vrai mais gros quoi sous donne. Eh ben Dominicain, moi même j'ai assez maths hier pour me dire que Dominicain pas innocent dans malheur non. Parce que bon, c'est normal parce que pas gen moun en Haïti, pas gen dirigeant, ils ont profité. Et gon paquet zamak bal kap rentre dans le pays, yon pas sorti l'autre côté que sous frontière dominicaine et yon traversé en Haïti. Navin sous ça demain si Dieu veut, parce que ma pour faire un temps d'extrait ça, côté m'te bal. Tout détail pour m'expliquer justement implication dominicaine dans sa knap vive là en Haïti jodia. Pas un problème. Maintenant, on quitte ça, on va aller là. Avant hier, nous songe que. Nous t'es venu là avec Madame Zah. Nous songez ça. Avant hier, nous venons là avec Madame Zah. Qui est-ce qui songe? Où est-ce que ça passe là? Qui t'aime faut-il parler avec politique yo?
qui te font parler tout ak en pile moun nan diaspora. Avant hier, moi te partagé et me pense toute la presse haïtienne a parlé de dame ça qui c'est représentante permanente Haïti en dans l'UNESCO qui c'est Dominique Dupuy Timon Cap haïtien. Dame ça après un vibrant discours vin faire avant hier, c'est tout côté moun t'a parlé du discours ça, ça t'a dit. Mais il y a moun qui attaque li. Bon, qui c'est normal parce que moun gen droit, gen droit pour, gen droit contre. Désolé. Maintenant, la dame nan fin parler que m'a fait entendre un extrait et pour me faire entendre ça dit après. Rapidement d'après quand même saisi et puis nous tendez et c'est une dame yo t'ai choisi c'est Marie Ghislaine mon premier et c'est tout le problème ça dans pays là ça dit gros problème moun en Haïti qui grave nèg red et de yo t'ai choisi moi Marie Ghislaine mon premier mais information pral dit sous dame ça t'as semblé un petit malaise un petit problème avec ULCC etc. Avec chaque petit problème ou pas m'dou zanmien là a regardé ou pas plusieurs tweets qui a sorti là gon rappel yo fait don Robertson Jeffra gon tweet que il t'ai même rappelé et ça métronome encore rappelé ça etc. par rapport à quantité l'argent et qui t'a gaspillé là attendez bien René Jean Jumeau monsieur il était pointé du droit et sous monsieur coup des comptes il t'ai dit que monsieur et ben dans quatre l'argent vidéo caribé t'ai gon l'argent t'ai décaissé qui t'ai plus passé 13 780 000 dollars américains pour acheter lampadaire, ça fait lampadaire. Oh, Laurent Lamotte, font gagotage l'argent de ça. Oh, bah, grave, vous payez ça. Ça veut dire que dossier ça, te font scandale. Non, ça fait corruption de parler, dans gaspillage de l'argent plutôt caribéen. Ça veut bien la société. Merci à Merlin Jean-Gilles. Ça veut bien. Ça veut dire que nous, on voulait moun. Et c'est même nèg ça, je dis, hein, nous tendez yo bagay, yo désigné pour aller au conseil présidentiel. Et puis, même, il commence à passer l'ordre li, alors que le dossier sous l'autre. L'autre dossier parle sous l'autre. Finalement, ça nous rend compte que pays a gomblé moun. Pierre Michel, tendez bien. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui, là? Et ça m'a dit là, moi, prends engagement pour me dire. Est-ce que nous connaissons, dans tant qu'a vini là, yo, si bon bagay qu'a fait Haïti, nous obliger créer possibilité pour nous bail moun nan diaspora qui compétent plein droit pour participer là-dedans parce que jodi par rapport à événement en Haïti yo côté l'école pas fonctionner université a attaqué première fois me tendre gen bataille pour nèg a craser université al volo bagay dans faculté des sciences humaines etc. piller bouler bagay sa yo nous pas ka jouer ak yo. Pour nèg ap attaquer collège Bird, attaquer petit séminaire, etc. Ou paquet l'école, ti moun ap kouri. Ça veut dire que l'école crasée en Haïti. Si l'école crasée en Haïti, pour paquet ressources que nous pas joignons yo Haïti dans tant qu'ap vini la yo, nous obligés faire appel à la diaspora haïtienne pour nous joindre quelques ressources là-dedans yo. Kouvle le kouvle. Ça veut dire. Et ça fait, pour nous arriver à niveau ça, pas qu'on est, puisque nous n'avons pas de parlement, que société a arrangé pour qu'on chita parler qui fait à toute nation, il faut qu'on façon pour yon amender la constitution haïtienne pour permettre que pour yon accepter la double nationalité. Sinon, le pays d'Haïti fait carré des problèmes. Parce que si nous n'avons pas bien, nous pas qu'à utiliser la diaspora, c'est qu'on va chaler. Mariage, diaspora. Enterrement, diaspora. Tout pareil, diaspora. Minute téléphone, diaspora. Ça seulement là pour le faire. Mais pour le dit politique, pour le dit américain lié, et français lié, canadien lié, ça veut dire. Faut une clé sous ça. Ça veut dire que yon bagay important que nous besoin faire là, l'éclair, faut nous repenser notre constitution. Et qu'on paquet de pays là, petit pays, yon fait, yon accepte. Parce que nous pas qu'à nos pays, nous fin craser tout ressource pays là. Pati, merci Evelyne Sajou, elle est content par ça, Patricia Sajou. Pati, bon paquet de ressources, pas vagabond, bon vol dans la diaspora, quand vive gang, non. Ma parle de moun qui compétent dans la diaspora. Moun qui a l'école, qui formé, qui éduqué, moun qui compétent, capable, chargé dans la diaspora là. Bon paquet de docteurs que nous avons dans la diaspora qui pas qu'à l'Haïti. Je dis, bon paquet de professeurs qui obligé Pati qui est Haïti pour cause d'insécurité. Yo al vivre à l'extérieur. C'est-à-dire, il faut que nous ayons passé mais qui fait dans la constitution haïtienne. Je me souviens,
comme je le Thierry Tardieu, t'es venu à Baïsa. Mais vous voyez, il n'y a pas de cap, il y a un gros débat qui a fait sur lui. Alors que Steven Benoît, je crois que tu as introduit Baïsa tout. Tu as parlé sur lui, fait débat sur lui. Mais son société a tellement de problèmes. Nous ne voulons pas accepter, on sait le bac à bon pour nous à l'avenir. Parce que la politique a tellement fait sale. Des pauvres dans la politique à Haïti, tout sale, même sous tes propres. C'est d'un coup, c'est charbon qui fait dans la politique d'Haïti. Tout le monde m'a rien ou sale. Eh bien, je pense que, dans le temps qu'il vient là, Élisée Jean, il faut que nous passions main qui fait dans la constitution haïtienne pour accepter la double nationalité. Si nous ne faisons pas ça, nous avons garanti. Dans le jour qu'il vient là, on est sénateur, il est obligé de sortir dans vivre ensemble. Quel te qu'on lit, quel pas qu'on lit, c'est lui qui peut faire loi sous le pays. Son j'aime de dire ça un jour. Parce que majorité ressources haïtiens aujourd'hui, ils vivent dans la diaspora. Bon paquet de médecins qui sont obligés de quitter Haïti. Bon paquet de professeurs qui sont obligés d'abandonner Haïti pour cause d'insécurité. Bon paquet d'économistes, nèg qui très compétents, très corrects, très formés, qui sont obligés de quitter Haïti pour cause d'insécurité, qu'à évoluer à l'étranger. Donc si pas bon gens, pas bon passé mais qui fait dans le pays là. Ça n'est pas pour dame ça, non? Je ne connais pas dame. Même dit le non-sens général. Ce grand pile cadre qui est dans la diaspora, qui est obligé. C'est pas parce que vous avez une diaspora, vous venez cacher. Vous savez bien, oui. Il y a un paquet de professionnels qui est dans la diaspora. C'est pas parce que vous avez une vie dans la diaspora pour être, mais vous êtes obligé de venir cacher pour protéger la vie. Et je dis ça avec un cousin, que je suis allé, je suis passé la cali hier, à vivre Massachusetts. Tu as un bon moyen en Haïti. Pas oublier, nous sommes dans la zone Martissante. Tu as un bel moyen. C'est-à-dire, on est qui a une entreprise qui a commandé 2, 3, 4 camions de marchandises, qui a presque une vingtaine d'employés qui avaient plusieurs machines, camions, qui a débarqué marchandises, qui a fait livraison presque tout côté dans le département de l'Ouest, son nègre qui t'a mené. Eh bien, nègre a décidé pour M. Pac à continuer à vivre dans le pays. Et si M. Pac font un genre pour le jeter avec tout ça que le gagné, pour le quitter, vous prenez ma parler là, Gonkaï nous construit, nous passer misère pour nous te construire à Martissan. Nèg yo prend possession, on en a parlé là. On va comme ça. Nèg yo prend, pendant on a parlé là, oui. Nèg exam prend possession kaï là. Pendant on a parlé là. Et son kaï nous passer misère pour nous construire. Les vémus, etc. Passer misère pour nous construire. Pendant on a parlé, nèg yo prend possession. Nous avons proche, nous avons l'autre belle kaï Martissan. Misère kaï là passer pour faire belle kaï ça. Et vous entrez là dans le pied, vous boulez actuellement. C'est dans c'est Kaimoun là cherche un petit espace pour le rester, alors que lui te gen Kaila Baimoun dormi la Kaili. Alors c'est vagabond ça va demander de vous supporter. Ça vient faire qui ça? Qui donc? Majorité moun qui gen possibilité qu'on y a, il est obligé de courir à le cacher à l'étranger. Ça dit qu'on paquet de ressources que nous avons perdu. Donc si nous voulons aujourd'hui, il faut commencer à penser sur l'intégration diaspora dans la politique interne. Pays d'Haïti. Et l'un des diaspora, c'est pas comme si parce qu'on pas qu'être tête cribiche dans la diaspora, oui, m'a parlé de monde qui compétent. Parce que dans Haïti, nous voulons, il faut chercher monde qui capable, qui connaît, qui a connaissance à compétence et qui est patriote. Parce que c'est pas parce qu'on a vu à l'étranger qu'il faut parler en Haïti. Au contraire. Il y a des gens qui sont en Haïti, a fait. L'on est en Haïti, il y a un micro. Et puis là, il y a un petit grec pour une prison politique. Il y a un petit grec, pas bandit. C'est pas bandit. Pour le boucan, il n'est pas bandit. Il y a un petit grec, c'est social, il a fait. L'homme mort sans jour, c'est général qui a fait social. Il y a un petit grec qui est criminel. Vagabond à micro, ça fait criminel. Mais ou même qui mal comprennent, ou pensez que ça plus remet Haïti par cet été. Non, loin de là. Loin de là. Ça veut dire que, faut gagner un shit à parler. Pour nous comment capable gérer question ça. Et faut que haïtien d'accord impliqué yo dans changement réel pays d'Haïti. Donc avant hier d'en parler, m'en fait dans un extrait dans discours. C'était bravo, qu'est content pour bel discours ça. Pour yo choisir pour la lancer PA bien que on va le faire dans la discours ça. Oh, madame tellement prend coup de roche, il est obligé courir pour dire qu'il pas cassé. Attendez, bel discours fin fait avant hier là. Tout le monde est bravo, belle femme, bon bagage. Le fait que n'ayez seulement cité là dans le conseil là, madame n'a tellement que t'as pris un coup de roche, c'est courir, courir pour tête qui pas casser un coup de roche vagabond politique ici.
brasse, brasseuse, politique ici, tellement qu'il y a un balai coup de roche, c'est courir pour rentrer en bas table du TTA, en bas table du causé à le courir rentrer, pour être qui va casser. Son pays difficile à Haïti, ailleurs. Côté madame, attendez. Merci, et j'aimerais donner la parole maintenant à son excellence, madame Dominique Dupuis, représentante au Conseil et ambassadrice et déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Vous avez la parole. Madame la présidente du Conseil exécutif, madame la présidente de la conférence générale, madame la directrice générale, excellence, chers collègues. Durant ce débat général, nous sommes invités à bâtir nos interventions autour des points à l'ordre du jour de cette 219e session du Conseil exécutif. Mais vous comprendrez que dans cette maison de l'UNESCO, dont le mandat est la construction de la paix, il me serait aujourd'hui impossible d'échanger sur les technicités du C5, alors que tous les outils nécessaires à cette paix subissent chez moi un assaut sans précédent. Alors que l'éducation, la science et la culture sombrent davantage dans le gouffre infernal qui engloutit mon peuple depuis trop longtemps. Que tous les remparts sautent sous les tensions de la prise en otage d'un pays entier où 12 millions de personnes espèrent encore se réveiller d'un cauchemar ensanglanté. Confrontée à l'indicible, j'ai considéré me taire. Me taire par douleur, par déboussolement, mais aussi par culpabilité. Pour le confort de cette salle depuis laquelle je peux encore m'exprimer, alors que ceux au nom desquels je parle croulent sous le poids de la terreur. Me taire par colère pour mon pays que certains semblent déjà imaginer ne plus exister. Je refusais de vous étaler ici l'anatomie d'une chute. De vous dire que depuis le fin fond d'un trou où nous nous trouvons, nous voyons la main de ceux qui nous y ont poussés. Ces mains qui pourraient encore, si elles le voulaient, nous tendre une perche. Il me semblait vain de vous décrire la gangrène du tissu social. Vous la lisez déjà dans vos journaux. Vain de vous expliquer la putréfaction de l'espoir. Vous la voyez déjà sur vos écrans. Vain de vous raconter l'immolation d'une jeunesse. Je refusais d'alimenter l'algorithme qui décide des priorités de l'aide internationale, de prendre part aux funestes enchères de la pitié, de participer à l'encamp de la crise la plus grave, de faire concurrence à celui qui comptera le plus de morts, qui criera le plus fort son angoisse, qui articulera le mieux cette faim qui ronge le corps et l'âme de plus de 5 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants. Je refusais de vous dire qu'une capitale se transforme en tombeau béant et que, comme moi, tous mes concitoyens sentent leurs tripes s'extirper de leur corps, zombifiés par l'effroi. Que nous perdons tous, minute après minute, dans cette descente vertigineuse vers un inconnu effrayant. Nous perdons tous, mais certains perdent davantage, certains perdent tout. Leur maison, leur repère, leur vie, certains n'avaient déjà rien et se retrouvent anéantis, morts vivants, face à cette nouvelle secousse psychique, face à la réplique de trop, depuis le temps que la terre tremble chez moi. Que cette guerre, ce fratricide n'est pourtant pas que notre plaie, mais celle du monde entier. Que mon pays se retrouve à la croisée d'enjeux planétaires, tant humanitaires, climatiques que sociopolitiques. Un avant-théâtre d'un effondrement qui nous implique tous. Oui, il aurait peut-être mieux valu se taire aujourd'hui. Vous avouez que je n'ai ni primeur à partager, ni potion magique à vanter. Laissez libre cours à vos débats et me tairez dans un coin, fermer les yeux, serrer les poings et attendre. Espérez que l'orage passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO, si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent, une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Une histoire qui viendra soit nous saluer, soit nous hanter. Alors se taire aujourd'hui serait capituler, être complice du sort abject des enfants de mon pays, privés de leur droit à l'éducation, privés de leur seul repas par jour, privés de leur droit à la dignité, interdits de jouer, interdits de rêver, interdits de vivre. Complice des salles de classe où seul prend lieu le sombre ballet des esprits errants d'étudiants et d'enseignants tués par balles. Complice du sort des filles et des garçons violés en toute impunité. Complice du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus créer, plus vendre, ni leur œuvre, ni leur rêve. Du sort des athlètes qui ne brillent que s'ils sont déjà ailleurs. Des scientifiques qui, comme les agriculteurs, traversent sans baluchon les fils barbelés d'une frontière fermée. Du sort des journalistes contraints à l'exil, vigiles de l'horreur, au péril de leur vie. Se taire serait abandonner, renier les combats pionniers menés par les fondateurs de ma nation, cracher sur le courage de ceux qui continuent, obstinément, encore aujourd'hui, à résister, au bord du précipice. Se taire serait trahir la mémoire de ceux qui succombent à l'abîme, trahir les cadavres calcinés, les corps mutilés qui ponctuent le quotidien de Port-au-Prince. Et malgré la déshumanisation macabre qui est à l'œuvre, malgré les caricatures cyniques dont nous faisons l'objet, ne trahissons pas la mémoire de ces vies, car c'est bien de vies dont il s'agit, de personnes humaines comme vous et moi, qui ont aimé, qui ont rêvé, et qui laissent chacune derrière elles un cratère de l'absence. Ces morts dont nous ne pouvons même pas faire le deuil, puisqu'il est impossible de pleurer le départ d'un être lorsque nous observons impuissants l'agonie lente de toute une nation. Madame la directrice générale, je tiens à vous remercier de votre engagement constant, renouvelé encore ce matin, ainsi que celui des États membres comme le Chili, en faveur de mon pays. Ces élans m'émeuvent et m'encouragent. Chers collègues, je fais donc le pari de ne pas me taire, ni aujourd'hui ni demain, parce qu'il faut quelque part que l'on prenne acte et que l'on se souvienne qu'il existe encore un pays, habité d'êtres humains, assoiffés de paix et d'avenir, qui ont eux aussi le droit à l'éducation, le droit de préserver et d'exprimer leur culture, le droit de vivre. Je vous raconterai ce pays qui peut, qui veut et qui va renaître. Cette terre de Dessalines, de Catherine Flon, de Suzanne Commer-Sylvain. Cette terre de la soupe Jaumont, de la cassave et du compas. Cette terre du KPK. Dans cette longue nuit, je vous raconterai une Haïti pleine de lumière.
car dans le clair-obscur de notre parcours, nous avons su transformer les spectres de l'oppression en oiseaux de la liberté. Merci, merci en pile, aïe bobo. Après discours, ça, en pile bravo, félicitations, t'es un pile réaction positive.